Un bruit de goutte, puis un autre. Ouais, bon, je dis Herrscher du vide puisque ça ressemble, mais ça doit être Herrscher of Vienne, exactement. J'imagine, si vous êtes plus connaisseur que moi. La pluie tira la jeune fille hors du sombre rêve dans lequel elle était plongée. Elle ne se souvenait de rien après sa chute, elle regardait autour d'elle cet environnement qui lui était familier. あんたはケビンかすらな。君は虚数得意点を閉じようとしたが、虚数造物の襲撃により落とされた。君を受け止めはしたけど、その怪我は相変わらず酷い。空の律者の力は弱まった。これで君には Nous te donne à plus de temps. Très bonne traduction. ライデン・メイに感謝するといい。彼女が君を助けたんだ。長空師の心配はいらない。災害は終わった。何言ってるの？メイ先輩が？あとは彼女自身が説明するよ。 彼女が来た。え？メイ先輩。レッツゴー。メイ先輩。何があったの？その姿。どうやらもう答えは出たようだね。 Ah non, absolument pas. 一緒に行くことにしました。あ、ライデン・メイ、ヨルムンガンドへようこそ。待って、何を言ってるの？メイ先輩がヨルムンガンドに。メイ先輩、どうしたの？何かされたの？キアナちゃん、私は正気よ。これは私が決めたことだから。 放っておいて。どうして？冗談じゃない。そんなの認めないよ。ヨルムンガンドになんて行かせない。キアナちゃん。どうやら君にはまだ解決しないといけないことがあるようだ。話したいことを彼女に話すといい。話したいこと？理由を教えれば 私を理解し、安心して離れられる。いいえ、彼女をより後悔させ、より苦しませるだけだわ。話したいことはもう心の中で何度も話した。キアナちゃん、あなたに出会えて、一緒にいろんなことを経験して、あなたは好きなことをして、理想を実現させるといい。 私は暗闇に向かい、代わりにあなたを彼女に最後の別れを告げよう。ライデン・メイ、こちらの世界へようこそ。メイ先輩、どうして？ メイ先輩、どうして？ Tiens, bouffe-toi ça. Bouffe-toi ça. Par contre, c'est pas sympa de me faire ce genre, me faire faire ce genre de choses. Lorsqu'ils sont touchés, ils sont paralysés. Genre Mei, elle serait en mode, oh tiens, je vais lui mettre un petit coup d'épée là pour la calmer. Aïe. Aïe. Genre elle fait ça alors qu'on est déjà, on est déjà à moitié mort. Patoun. Ah, on arrive à lui faire des dégâts, j'avais pas vu. Tiens! Oh là là, on va la battre! On va la battre, les potes! On va battre la Herrscher! Let's go! Facile! Neko-chan! Ah.
Ah ouais, bien sûr, elle va lancer son ulti. Oh. Aïe! 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 Kiana n'est plus à moitié mort vu qu'elle a perdu la gemme de conquête. Ah, allez. Kokomareyo. Kiana-chan. Mou. Ah, maintenez le bouton. Ouais, ouais, je maintiens le bouton. Let's go! Elle est où? My senpai! Tu vas voir. Mais bon, hé, Kiana, sache que c'est à moitié ta faute. Puisque là, elle fait exactement la même chose que tu voulais faire. Tu peux pas lui en vouloir. Je suis désolé, je suis du côté de Mei. Elle a peut-être bien raison. Je vais le faire tête d'Arc Sasuke là. Je dois me sacrifier pour les autres. Non, 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 non. Bon, en fait, elles font toutes les deux la chose la plus débile. Mais bon, c'est. Les couples doivent passer par ce genre de choses. Ah. C'est pas sympa de faire ça là à chaque fois. Comment ça, elle a 3 vies? Comment ça, je vois qu'elle a 3 vies? Toc. Toujours être de la vie du plus fort. Ouais, donc Kiana. Ok, on va être de la vie de Kiana aujourd'hui. Ouch. T'inquiète Alex, t'inquiète. Ok, ok. Aucune Valkyrie ne doit tomber au combat. Même ça, ça ne compte pas. Même si on est down et qu'on récupère tous nos points de vie après. Non, 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 lance l'ulti, tu vas voir. Tiens, 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 tiens. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Je ne veux pas de boule, non. Oh, y a trop de boules à côté de moi. Trop de boules autour de moi. C'est ça. Oh. Rugissement du dragon. Oh là 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 là. Bon, on est encore mort. Non, 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 tu ne pars pas avec le dragon. Le jeu est sympa, hein. Heureusement qu'on n'est pas en mode hardcore. Juste des amis. Ouais, mais amis avec avantage. Non? Toc. Things with benefits. Exactement. Regardez, on va battre la Hercheur. Regardez, on est trop fort. Regardez, on est trop fort. Bon, elle nous a à peine tué deux fois précédemment, mais ce n'est qu'un détail. Au bout du compte, on gagne. Bon, est-ce que tu peux passer dans une autre phase pour prendre les dégâts ou... C'est optionnel. C'est optionnel. Ok, d'accord. Tiens.
les sous-titres. Mais c'est pas. Mais. Très sympa encore une fois. On adore. Ouh. Laisse-moi. Approche pas. De très gros privilèges d'être ami. Oh. Bro, bro, bro. Ouais, et sinon, tu peux me laisser enchaîner. Voilà. Voilà, on l'a battu. Parfait. Vous avez vu? On est meilleur que la herscheur du tonnerre. Qui est la plus forte? Hey! Elle est revenue à la vie, elle cheat. Oh mince, elle c'est quoi, c'est ça? Ok. Regardez ce genre de cheater qui revient à la vie là. Moi je fais pas ce genre de choses hein. Contrairement à cette mauvaise perdante. Bon les QTE. Oh ah ah. Viens là. Ah. T'es vraiment naze Kena. Mais c'est pas... Nice. Confirmé. Allez, donnez-moi mes petites récompenses là, on est bien content. Cinématique. Cinématique, dernière cinématique. La classe. も耐えないのくせに私のこの拳で止める。Elle était mourante il y a pas si longtemps hein. Faut l'aménager. いつもこう体がボロボロなの無理やりに笑う。あなたは私をみんなを助けてくれた。なのに一人で全てを背負おうとする。自分の命をも犠牲にして。メイ先輩、それは私の使命だから。世界を救いたいなんてそんなの分かってる。メイ先輩、でもどう耐えればいいっていうの。先輩、ダメ。私にとってこの世界なんかよりもキアナちゃんの方がずっと大事よ。
私に手を差し伸べてくれた。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。Perdu dans ses pensées, l'homme se tenait face à l'écran, dans cette chambre noire. Oh, j'avoue que c'est cette Valine, ça. Et une autre meuf. Mais cette Valine. What? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ok. Les résultats de sa première expérience avaient dépassé ses attentes. Link. Un message apparut. Il provenait d'Ember. Ember? En plus? Oh, mince. Bon bah... Vas-y, Ember, c'est une collabo de Otto, là. Je savais. Je savais qu'il fallait pas l'aimer, Ember. Il sembla alors déstabilisé par le contenu des rapports qui s'affichaient devant lui. Mei Raiden a rejoint le Serpent du Monde. K-423 est parti à bord de l'Hyperion. L'avènement de la 5e Herscheur est proche. L'équilibre du monde pourrait être à nouveau perturbé. Mais ce n'était guère sa préoccupation majeure pour le moment. Teresa prendra soin d'elle. La nuit ne fait que commencer. Il avait tellement de choses à faire. Oh, cette cinématique! Oh, cette cinématique! C'est un énorme flex. Énorme flex de la part de MiYoYo. Vraiment, les combats... Les combats qui... Enfin, juste, en fait, les mouvements des personnages... C'est juste du top tier, ils ont toujours été doués pour ça sur tout leur jeu. Et les chorégraphies, c'était. Voilà, c'est les chorégraphies que je cherchais. Les chorégraphies de combat qui étaient. Magnifique. Vraiment top tier. Ah. Est-ce que c'est ma cinématique préférée pour le moment? Je pense, hein. Je pense. Ah. Regarde les sticks de Kiana du dernier stage. Comment je peux voir? Les stigmates. Ici. Mei princesse. Mei mariée. Anniversaire de Mei. Oh, nice. Sympathique. Arme. Seratus Dark. Nice. Pour le moment. Ouais. Akasa de Genshin. Après, il y a une autre cinématique qui, je pense, me plaira beaucoup, mais je l'ai déjà vue. Enfin, je l'ai déjà vue. Mais avec le contexte, peut-être que je l'aimerais encore plus. Ah, c'était beaucoup trop classe. Beaucoup trop classe. Des lits de neige éternels. De retour. Alors, moi, je sais pas qui c'est. On dirait Erta de Honkai Star Rail. Et un homme encore. Ah, désolé, hein, j'ai commencé Genshin, Honkai Impact en pensant qu'il y aurait que des meufs. C'est quoi ça? Des hommes? Ah. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire, capitaine. Je vais rien vous dire. Dans ce chapitre, vous pouvez jouer au niveau secondaire afin d'obtenir de l'XP de zone de guerre et augmenter le niveau de zone de guerre. Vous pouvez également collecter des matériaux de recherche et développement dans le niveau de l'annexe, le niveau de RD. D'accord, mon petit pote. En fait, j'ai une invoque ou pas? Non, j'ai pas d'invoque. Je peux aller me faire voir, parfait. Zoup! 12! Et bah, c'est parti. Voyons voir éliminer au moins 45 ennemis. On va faire ça. Un homme, c'est quoi ça? Ce chapitre, il est incroyable. En cas, si te secourir est un péché, je deviendrai volontiers une pécheresse. C'est trop classe. Mais j'aime bien le parallèle. Je pense que si j'avais lu le manga avant, ça aurait été encore plus stylé. Mais heureusement qu'ils avaient résumé un petit peu. Mais j'aime bien le fait que à la fin de la cinématique, ce soit Mei, ou plutôt. La Herscheur du Tonnerre qui
tendre la main à Kiana pour la sauver. Alors qu'à l'époque, c'était le contraire. Si beau. Mais il songeait silencieusement depuis l'espace construit numériquement. Cet état d'esprit lui était familier pour la pratique du Kenjutsu qui lui permettait d'atteindre le plus haut niveau de concentration. Depuis qu'elle avait retrouvé ses pouvoirs de herscheur, elle passait la plupart de son temps dans la cellule d'entraînement parfaitement close. C'était l'unique endroit où elle pouvait tout oublier et se concentrer sur ce dont elle avait besoin pour le moment. Ah, j'imagine que ça reste Mei. Mais ils ont dit à la fin d'une cinématique que Raiden Mei était morte et que c'était la herscheur du tonnerre. La voix glaciale qui résonnait dans la pièce précéda l'apparition de plusieurs mechas se matérialisant avec fracas au sol. Mei ouvrit lentement les yeux et se saisit de son arme, la dégainant d'un bourdonnement assourdissant. Je me disais bien que j'avais vu un flash. Il y a encore de l'orage. Raiden? Herscheur du tonnerre dehors? Système d'entraînement algorithme terminé, génération du champ de bataille. Let's go! Compte à rebours, 75 secondes. Vas-y, hein. Bah, comment je fais mon attaque chargée? Comment je peux faire l'attaque chargée, là? Non, pas celle-ci. L'autre qui est méga stylé. Ouais, un truc comme ça, on va dire. J'ai pas trop envie qu'elle soit dehors. Exact. Pas mal. Oh, et ça, le dragon! Béni! Béni un petit peu différent, mais Béni! Alors, j'avais jamais fait le rapprochement entre Béni et ce dragon. J'avoue que c'est classe. Mais c'est quand même pas très sympa, elle a volé le dragon de Kiana. Ah, ils sont pas morts! What? Ah si, ils sont morts. 25 secondes, il nous en reste. Ok, c'est bon. On a battu tout le monde. Vas-y. C'est Kurikawa. Mais en plus, elle a volé le nom. Oh, c'est pas sympa. Kurikawa. Now. Gambattere na. Kaminari no Ritsuya. Oh non, pas Chacal. Pas cette chagasse, chacal la chagasse. Des soudaines des étincelles électriques dansaient dans l'air, des bris de méca se désintégraient par fragments numériques de données. Doté de ce même et constant calme, Mei rengaina sa lame. L'environnement numérique disparut et révéla un couloir mal éclairé. Quelqu'un, jusque-là caché dans l'obscurité, s'approcha doucement. あんたはあの力をコントロールできるだろう。邪魔しないでと言ったはずだけど。そう冷たくするな。私たちは仲間だ。仲良くした方がいいだろ。わめ、トゥタペルシャカル、ドンクシャンパ。あんたのこと、もっと知りたいな。オッケー。ジャッカル。ジャッカル。時間を無駄にするな。 Chacal fut interrompu. Corbeau apparut, elle aussi de nulle part, se tenant à présent entre elle et Mei. つまらないやつ。ライデン・メイ。ついにヨルムンガンドにその力を捧げる時が来た。虚数特異点に対する観測によると、次の大型崩壊はもうすぐ発生する。そう。ライデン・メイ。あんたのような律者だ。 簡単に言うと、成婚計画において重要な点は、すべての律者を手中に収めることにある。今、孫主は別件で忙しいため、自ら指揮することができない。これは我々が忠誠心を示すチャンスだ。孫主の堅実な盾となり。ライデン・メイ、お前の力はヨルムンガンドにとって必要不可欠そのため、これから徹底崩壊を共に対処してもらう必要がある。 約束は守るわ。けど、私たちは互いに利用し合う関係でしかない。仲間だとは思わないで。私はただの傭兵だ。他人を仲間だと思ったことなどない。それで、律者を倒せばいいの？いや、死んだ律者では何の意味もない。ヨルムンガンドが必要なのは。停滞？ああ。
ちょっとした贈り物を用意した。黄泉の杖というものだ。Chacun les voilà une boîte noire et dorée de plusieurs centimètres de long. On aurait dit un écrin funéraire semblable au masque de Toutankhamon. Mais il ne savait pas ce que contenait la boîte. D'une certaine manière, tout comme sa créatrice, la boîte la mettait très mal à l'aise. Au cours de la réunion. Ouais. それは全文明が残した偉大な遺産。天命ですら再現できない科学の奇跡だ。その正直に言うと、今すぐにでもあんたにその力を実感してもらいたいところだが、残念ながら、現段階でヨルムンガンドが集めた材料では、作れるのは8つのみ。で、それは一体どうやって使うの？いずれわかるさ。Alors que la dame masquée riait, une légère vibration suivie d'un bruit électrique se répandit dans les couloirs. Mei perçut une voix inconnue dans ce flux de données électriques. Kakui. 1分前, 崩壊が珊瑚島という東南アジアの都市で発生した. Quoi? 連盟のバルキリー部隊はすでに出撃している. Quoi? 行動を開始しよう. Alors, pendant ce temps, dans la région autonome fédérée de Corail, dans l'océan Pacifique, l'escouade de Valkyrie des Lames Immortelles dirigée par Dudu arrivait dans la zone de combat 30 minutes après l'éruption. Les Valkyries se préparaient au combat aux abords de la ville insulaire. Ah, elle est encore en vie, elle? Ok. Nice. Toujours pas changé. ま、地球。すでに崩壊発生から30分が経過しました。珊瑚島の崩壊は全面的に蔓延し、奪還しできない状況です。さらにまずいのは、 先ほど珊瑚島に駐屯していたバルキリー部隊、節電小隊と現在、先見バルキリー部隊が該当エリアを封鎖し、全不朽なる刃は到着後、攻略戦力として珊瑚島内部に突入し、それから、司教様からのご命令ですが、今回、ヨルムンガンドも盟友として作戦に参加します。連盟は通常の崩壊対応作戦だけ担当し、リチ者を発見した場合は、ヨルムンガンドに対応してもらうとのことです。承知しました。各員注意、出撃準備を。急なる刃、作戦開始です。Let's go! Let's go la meilleure! Ah, Juju! Osep! Voilà! Je veux elle! Il y a des trucs spéciaux à faire? Non, pas du tout. Je veux Rita! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà la peste. Exactement. Ah, par contre, c'est une sacrée vie derrière. Grand pont comme ça, là. J'ai l'impression d'être dans Sonic. Je sais pas pourquoi, ça me donne une impression de Sonic. Ça n'a peut-être aucun sens. Ok. Un petit ulti. Bye bye. Le bon ulti pour rien. Attends. On va éviter de perdre des SP pour rien. Juju, Osef. C'est pas meilleur que AK. D'accord. Rien compris, mais ok. Hypothermie. Comment ça, hypothermie? Let's go. Ouais, je suis pas trop bien là. Là, je suis en train de geler sur place. Bon, on va prendre du dur, on va être obligé. Du dur, je sais absolument pas comment l'utiliser. Hein. Comment je fais pour... En vrai, du dur est vraiment OZEF, c'est du dur.
Et comment on fait pour... Ah, il faut juste switcher les personnages. Oh, d'accord, bah, let's go. S'il y a que ça à faire pour pouvoir ne plus geler. Alors, la fumée avait englouti le pont vers la ville. Le cataclysme avait continué à s'étendre et à consumer ce joyau de la civilisation. Les lames immortelles avançaient prudemment, repoussant le chaos vers le cœur de corail. リュランダル様、 10分前、節連招待が音信不通になった場所です。 Ah, Aka, c'est Rita, d'accord. Rita. Vous pouvez pas me dire Rita direct? かしこまりました。 しかし隊長、司教様には… アルビトル様、 私たちの任務は崩壊の処理です。 なるほど。 それなら命令違反ではないですね。さすが副隊長。他の者は計画通りに動いてください。座標点で合流しましょう。かしこまりました。Okay, let's go. Ritata? Ouais, peut-être. Ça va, chat? Tu vis ta meilleure vie? Les matériaux tout récemment reçus peuvent améliorer votre niveau de recherche et développement. Ça sert à quoi, ça? D'accord. D'accord, mon pote, si tu veux. A, B, C, D. D'accord, mon pote. Et moi, je vais là. Ah, rien, d'accord. Thanks. Eh hey, pourquoi il m'a tapé? Mais pourquoi ils me mettent le contrôle de... Je veux pas contrôler du tout. Je veux contrôler Rita. Je prends juste à faire les quêtes du haut pour avoir accès au rapport. Voilà, éclaté, tu vas être. Boum. Elle a trop la classe, Rita. Surtout sous cette forme. De base, elle a tellement la classe. En fait, d'une certaine manière, c'est un petit peu Rem, mais version énervée. Tout le monde est mort? Ok. Eh bien... Bye bye. Nice. C'est quoi ça? Bah... Ouais? Toujours plus? Toujours plus? Rita, let's go! T'as raté le truc de combo, je crois. Ouais. Oh, t'inquiète, on a tout. Bonjour tout le monde, c'est vraiment sympa d'arriver sur le stream au moment de la cinématique de Mei, j'adore cette chanson. Ton message a mis du temps à arriver. Ça fait quand même 10 minutes. Mais salut! Bonsoir, bonsoir. Ah! Ouais, bon, j'imagine que t'étais en lurk. Avant, y'a aucun souffle. Mais ouais, elle était trop classe. Qualité est bizarre. Raiden Mei. Ouais, c'est elle. C'est Raiden Mei. C'est elle, elle est là. Cette battle ne peut pas être gagnée. Vous êtes... Raiden Mei-san,ですね. Masaka Yorubun Gando ni iru to wa omoimasen deshita. Watashi ni wa susumu beki michi ga arimasu. Mei-san. Shukyou-sama ga oshiatte ita meiyuu to wa haitta bakari no shinjin-san wo konna kikenna basho ni haken suru nante. Yorubun. Kore wa kore wa Rita-san janai ka. Hisashiburi da na. Watari Garasu-san.
安心するといい。天命とは違い、ヨルムンガンドは人海戦術を好まないからな。人数は多くないが、私たちはきちんと任務をクリアするさ。それは失礼いたしました。Rita esquissa un sourire, mais son regard était froid comme l'acier de sa peau. 今回はどんなものでリツシャと戦うのか楽しみにしております。ガス、貨物車、それとも自爆爆弾でしょう。以前、私一人でそちらの任務を台無しにしたことは悪いと思っている。今でも申し訳なさでいっぱいだ。こちらこそ、上条製薬の計画を邪魔したことで、せっかくの偉業を台無しに終わらせてしまいました。Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine tension là. Ça... C'est peut-être une idée de ma part.Je sais pas, leur discussion me paraît très tendue en fait. Qui n'y sera là ? Konkai, Ritsha wa wareware de shori suru. Sochira wa kōhō shien o tanomu yo. O tema o kake shi, moushiwake gozaimasen. Desu ga, go anshin kudasai. Mangaichi, anata ga gisei ni narimashitara, watakushi ga sekinin wo motte. Je vois juste deux jolies femmes qui discutent. Teatsuku maisou itashimasu node.ご好意感謝するよ。リタさんも身の安全に気をつけるといい。ええ、そちらこそ。Les deux jeunes filles continuaient à s'envoyer des piques alors que leur sourire lentement disparaissait, la tension montait dans l'air. Quelle tension ? La voix douce de Duranda la rappela à Rita son indiscrétion. La Valkyrie s'inclina légèrement et fit un pas en arrière. 失礼いたしました。天命と争うつもりはありません。メイ tendit la main à Durandal en signe de bonne volonté. Durandal toisa la jeune fille. Elle avait beaucoup changé depuis cette brève bataille à la ville d'Arc. 私たちの目的は一致しています。同盟なら各自の使命を果たし、互いに干渉しない方がいいでしょう。バルキリー部隊は都市外周で待機し、生存者の撤退や崩壊拡散の阻止を担当します。約束通り。リツシャはあなたたちに任せます。私たちは勝手に手を出しません。ありがとうございます。リツシャは珊瑚島の中心に移動しています。早く行ってください。Et voilà, il va se coucher sur la multiprise USB. La Valkyrie tendit alors sa main à Mei comme pour cimenter l'alliance. リタさん、私たちも握手しようじゃないか。すみません。私は仲間を殺した人と握手したりしませんので。まあまあ、そう怒るな。Bruit de lame. Corbeau fit un pas en avant et se retrouva face à la pointe d'une lance dirigée droit sur elle. これ以上付きまとうようなら。ああ、まあ、一方的な望みということで。Corbeau abandonna et retourna aux côtés de Mei, tandis que Durandal baissa son arme et quitta les lieux avec Rita. Ok. Ok, nous sommes là! Oh, rip. Tout le monde est mort. À peine arrivé, tout le monde meurt. Hop. Bon, après, elle a... Ah, voilà, l'attaque chargée trop classe. C'est déjà terminé? Non, ce n'est pas déjà terminé. Voyons. Ah mince, ils sont derrière. Mei et Durandal, ils remènent leur chien au parc. Comment ça? Ouh c'est... Mais par contre, si dans ce chapitre, on n'arrête pas de jouer Raiden... Je vais tellement avoir envie de la jouer, de l'invoquer. En fait, c'est quoi les prochaines bannières après Brony là? Ça me fume. D'où il arrive le dragon d'ailleurs? Bon, juste pour la forme. Je comprends vraiment R. Yep. En effet. Donc qu'est-ce que je voulais? Je voulais aller là-bas, surtout. Donc ouais, c'est quoi les persos mis en avant après?
Si je rate Brony, c'est plus. Le hibou nous y rejoindra. Quand je vous dis que c'est l'arche de Noé, le serpent du monde. T'as pas fini de la vouloir. Des vents froids leur soufflaient au visage à la sortie du tunnel. Il n'y avait rien d'autre que les ruines à perte de vue. May entendit les bruits de pas légers à ses côtés. La lumière sembla légèrement se déformer à l'arrivée de leur contact. Hibou. D'accord, vous avez pris votre temps. Salut Hibou. Dans 4 jours, ce sera quoi la bannière temporaire? Ah mais non, la bannière temporaire, ça restera l'autre, là. L'homme nommé Hibou se gratta la tête avec nonchalance. Spinastrea et Starship Snix. C'est... En français, ça donne quoi? Nyx, c'est scellé? C'est la scellé classe, là? C'est les rouges? Nyx, c'est la courbe d'Ankai. Allégeance.